Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes samedi, alors j'ai pas revlogué cette semaine parce que en fait j'avais fait des bribes de vlog, mais genre une vidéo par jour, et je trouvais que c'était trop éparpillé en fait, du coup je l'ai pas gardé. Donc là je suis désolée, l'angle de vue n'est pas terrible, mais je suis en train en fait de prendre mon petit déjeuner, puisque nous sommes samedi et que je dois partir dans 20 minutes on va dire. Avec Laura qui m'emmène en fait pendant que nos enfants seront à la gym, elle va m'emmener faire des courses. Donc c'est très sympathique de sa part. Et après il y a Eric qui vient me chercher parce que on doit aller voir quelque chose. Poser la pioche. On doit aller voir quelque chose dans le magasin pour Elsa. Je pense que vous l'avez tous remarqué, Elsa, elle a de l'urticaire au niveau de son visage qui est lié en fait à son état émotionnel. Donc on ne peut absolument rien y faire. Ça ne se soigne pas. Mais par contre, ça la complexe. Ce que je peux comprendre parce que c'est vrai que ça lui fait quand même des sacrées plaques. Puis elle a toujours ici, là, sa plaque du menton. À la limite, les joues, on peut se dire, bon, elle a la peau sèche, c'est le froid, tout ça. Mais non. Elle a la même chose en été, donc c'est vrai que pour elle, c'est un peu difficile. Et la dernière fois, elle m'en a parlé. Et je me suis dit, c'est vrai qu'elle a quand même 13 ans. Et bon. Donc j'en ai parlé avec Eric parce que je sais que lui est totalement opposé à tout ce qui va toucher au maquillage, etc. Et donc je pensais que j'allais me heurter à un mur. Et en fait, au début, il m'a dit non et j'ai expliqué plus en détail. Et on lui a trouvé... Parce que c'est pareil, le fait qu'elle fasse de l'urticaire, on peut pas lui mettre n'importe quoi sur sa peau non plus. Le but, c'est pas qu'elle qu'elle se recouvre de fond de teint, etc., qui va encore plus lui étouffer la peau et lui occasionner des problèmes de peau. C'était pas du tout ça. Et là, en fait, on lui a trouvé une CC... Alors, c'est une CC crème, en fait. C'est un correcteur de rougeur. Et c'est, en fait... un produit bio, vegan, enfin à base de plantes, etc. Donc ça se vend chez Sephora. Donc on va aller voir ce que c'est. Et en fonction de... On va demander conseil, évidemment. Du coup, là, je vais partir. Enfin, je prends mon petit-déj, ensuite je pars avec Laura. Quand je reviens, je repars avec Eric. Et puis, bah, après, Eric me ramènera à la maison. Lui, il repartira avec les enfants. Et bah, cet après-midi, moi je suis toute seule, mais j'ai quand même pas mal de ménage à faire. J'ai des discours à lire pour demain, j'ai de quoi m'occuper en fait. Donc ouais, je suis occupée là pour le week-end, je pense que j'ai de quoi faire. Donc bah, je vais vous laisser parce que je dois prendre mon petit-déj et puis bah, je vous reprendrai plus tard dans la journée. Bon, je vous reprends, il est midi 20, je suis dans mon canapé, je viens de me poser, je vais manger en fait. Normalement, je devais partir avec Eric chercher le produit d'Elsa, là, pardon pour le cadrage. Je devais partir avec Eric chercher le produit pour Elsa, enfin le produit, la crème pour son teint, là. Et en fait, Eric a eu droit à une grosse crise de la part d'Adam, qui n'a pas voulu aller à la gym. Et bah du coup, on s'était donné rendez-vous à la gym, justement, puisque... Laura allait chercher Luna et en fait Eric lui il va chercher Marceau en même temps qu'il emmène Adam. Donc ça voulait dire qu'il y avait une place dans la voiture, donc on devait se retrouver directement à la gym et partir ensemble de là-bas. Sauf que c'était sans compter sur la bonne volonté d'Adam à foutre en l'air tous les plans, c'est-à-dire que il avait décidé qu'il irait pas à la gym aujourd'hui. Voilà. Donc il a fait une colère à non plus finir à Eric. Donc je ne sais pas comment ça s'est terminé. C'est pas à moi de gérer quand c'est pas mon week-end. Eric qui m'appelle en me disant oui bah Adam il veut pas aller à la gym. Je dis bah c'est pas lui qui décide en fait. Je dis il y a un moment faut que tu t'affirmes aussi. Ouais mais ça fait une demi-heure qu'il est en train de pleurer. Je dis mais je veux pas le savoir qu'il pleure depuis une demi-heure. Je dis on a payé pour qu'il puisse aller à la gym. Il va à la gym, c'est tout. Il s'est engagé dans quelque chose, il tient ses engagements. Et là, il me fait, ouais, bon, ok. Donc, je l'ai laissé. Au final, il l'a quand même emmené à la gym, sauf que la prof n'a pas voulu le prendre parce que bah, il était dans un état de larmes, etc., auquel les gens n'ont pas l'habitude. Donc, forcément, à chaque fois, ça impressionne. Alors, nous, ça nous impressionne plus du tout. Mais les gens qui ne connaissent pas sont impressionnés. Donc bah du coup elle a pas voulu le prendre. Elle a dit non mais enfin si c'est pour qu'il passe sa séance comme ça, il vaut peut-être que pas qu'il reste.
En plus, son copain Quentin n'était pas là. Donc, bon. Du coup, je suis un peu saoulée quand même. Donc, il est hors de question qu'il me fasse la même chose la semaine prochaine. Ça, c'est clair. La semaine prochaine, de toute façon, moi, j'aurai pas de voiture. Donc, je vais être obligée de demander à Myriam, la maman de Quentin, justement, s'il y va, si elle peut l'emmener et le ramener. Donc, c'est a priori Myriam qui devrait emmener Adam. Enfin, je l'espère, en tout cas. Et du coup, j'ai demandé à une maman de l'école si elle pouvait gérer Marceau, en fait. Donc, ils sont beaucoup à aller à la gym. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, quand on est reparti avec Adam dans les pattes, Eric a dit on va retourner chez maman là, et du coup qui reste chez maman le temps qu'on va faire les courses? Et en fait personne ne voulait rester. Donc j'ai dit c'est moi, je reste chez moi, vous allez faites vos trucs et puis c'est tout. Mais sauf que du coup je pense que Elsa elle va être hyper déçue, parce qu'à mon avis Eric n'ira pas chez Sephora tout seul avec les quatre quoi. Donc c'est pas très grave. J'allais dire moi j'irai, mais non, j'irai pas, j'ai pas de voiture. C'est un peu difficile de se projeter. D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles. Mon frère m'a envoyé un message hier soir, assez tardivement d'ailleurs. Mais du coup, c'est pas grave, on a pu discuter un petit peu, donc j'ai eu de ses nouvelles aussi. Du coup, il me disait que pour la voiture, ça pourrait être bon pour mi-janvier au plus tard. Ça peut être mi-décembre, il m'a dit. Mais je veux pas m'emballer, il me dit comme je sais pas trop, il me dit mais en tout cas il a vachement avancé dans ses travaux, donc normalement il devrait pouvoir s'occuper de la voiture rapidement, donc je suis contente, voilà. Donc j'attends, mais ça devrait aboutir, et ça fait du bien, vraiment du bien de se projeter. Donc voilà, du coup... Je voulais vous dire un truc, je sais plus. Oui, là, je vais manger. Du coup, je vais me regarder un petit film de Noël. Et puis, quand le film de Noël sera fini, eh ben, je vais me mettre dans mon ménage. Quand j'aurai fini le ménage, j'irai prendre un bain. Et je me laverai les cheveux et tout ça. Et puis après, j'enchaînerai avec ma petite soirée tranquillou. Je me couche de bonne heure ce soir, parce que demain matin, je vais à l'église. C'est très bien. C'est une bonne journée de maman solo, même si voilà, je suis toute seule et j'ai rien à faire, mais dans le principe, je passe une bonne journée, quand même. Ma journée s'est pas du tout passée comme j'avais prévu, parce que, en fait, cet après-midi, après que je vous ai pris, je vous ai dit que j'allais déjeuner dans le canapé devant un film de Noël, c'est ce que j'ai fait, sauf qu'en fait, j'étais frigorifiée, donc je me suis dit, avant de faire le ménage, je vais d'abord aller prendre mon bain. Donc je suis allée prendre mon bain et en fait, je me suis endormie dedans. Ça m'était jamais arrivé. En fait, j'arrête pas de le dire depuis qu'on est sorti mercredi soir. J'ai très mal dormi la nuit suivante et en fait, la nuit suivante. On est sorti mercredi et dans la nuit de mercredi à jeudi, j'ai très très mal dormi. Du coup, déjà, je m'étais couchée tard, mais en plus, j'ai eu une mauvaise qualité de sommeil. Du coup, j'étais vraiment pas reposée vendredi. Enfin, jeudi déjà. Et en fait, jeudi soir, à la réunion des parents, je suis rentrée, il était plus de 23 heures. Du coup, je me suis couchée plus tard que 23 heures. Du coup, ça a été pas du tout reposant non plus. Et donc en fait, hier soir, je me suis dit, je me couche tôt parce que je suis fatiguée. Et en fait, je regardais Danse avec les stars et j'ai pas vu l'heure passer en fait. Et je me suis couchée encore à 23h et quelques. Donc, ce matin, je vous cache pas que quand je me suis levée, vu que Laura m'avait proposé d'aller faire les courses, enfin de m'emmener faire des courses, il fallait que je me lève de bonne heure. Donc j'avais mis mon réveil. Je vous cache pas que quand le réveil a sonné à 8h, ça a été dur. Donc du coup je suis sortie et en fait j'ai été réveillée dans mon bain par justement un message de Laura qui me proposait d'aller me promener à Cholet avec elle cet après-midi. Et en fait vu que je venais de me réveiller, je m'étais attaché les cheveux en me disant je me laverai les cheveux que demain matin en prenant ma douche en fait avant d'aller à l'église. Donc j'avais pas du tout décidé de me laver les cheveux cet après-midi, et au final je suis ressortie, j'avais les cheveux trempés parce que comme je me suis endormie, je suis un petit peu descendue dans la baignoire et donc j'avais de l'eau sur les cheveux. Bref, du coup je suis sortie du bain quand j'ai reçu le message de Laura et je suis allée me mettre dans mon lit et j'ai dormi pendant 2 heures.
Donc, je me suis réveillée, il était 17h20. Un peu dans le pâté quand même, hein, je dois le dire. Et puis, voilà, j'ai vaqué à mes occupations et au final, j'ai pas fait de ménage. Donc, après, je me dis, c'est pas grave, les enfants ne rentrent que demain soir, donc j'ai le temps demain après-midi de le faire. Là, pour le coup, je me suis bien reposée et je vais pas m'arrêter là parce qu'en fait, je m'en vais me coucher. Il est 21h10 et je vais aller me coucher maintenant. Comme ça, demain matin, j'aurai pas de mal à me lever de bonne heure et je serai en forme pour aller à l'église. Et du coup, je serai en forme pour la journée pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous reprendrai demain. Du coup, même si voilà, il n'y aura pas grand-chose à dire demain à part le ménage que j'aurai fait. Mais en tout cas, s'il faudrait que je vous tourne une vidéo demain. Donc je pense que je vais faire ça. Bref, en attendant, maintenant je vais aller me coucher. Voilà. Bon les amis, je vous reprends. On est dimanche, il est 16h10 et je m'apprête à attaquer mon ménage. Parce qu'en fait, ce week-end ne s'est absolument pas passé comme je le voulais. De toute façon, ça se passe jamais comme je le veux. C'est comme ça. En fait, aujourd'hui, je suis allée à l'église ce matin et je suis rentrée à 14h. Alors normalement, notre réunion, elle est de 10h à 11h, ensuite on a une heure d'enseignement de 11h à midi, et puis ensuite normalement on rentre chez nous, sauf que ce matin, mon évêque m'a convoqué parce que il a eu connaissance de mes difficultés actuelles hein, par rapport à ma voiture, et que du coup il voulait s'entretenir avec moi pour savoir comment il pourrait m'aider, que ce soit lui ou les autres membres en fait de l'église. Donc j'ai été évidemment très touchée par cette démarche. J'ai également l'ami de l'église qui m'emmène le dimanche matin, qui m'a proposé pour qu'Elsa puisse continuer à aller à la danse, d'aller la chercher le vendredi soir. Alors, en fait, Elsa, je l'avais déjà expliqué, elle a deux séances de danse. Elle en a une le mercredi et une le vendredi. Son cours normal, c'est le vendredi. Et le mercredi, elle a un cours supplémentaire du niveau supérieur au sien qu'elle a souhaité faire elle. C'est absolument pas prévu dans son programme, mais c'est elle qui a demandé à faire deux niveaux parce que voilà, Elsa, elle est très ambitieuse dans la danse. Elle aimerait entrer à l'Opéra de Paris et du coup, elle voulait s'investir à fond. Et donc, elle a demandé à faire deux cours par semaine. En soit, Eric et moi, on n'y voyait aucune objection, donc on l'a fait. Sauf que là, n'ayant plus de voiture, c'est compliqué pour moi d'envisager l'emmener deux fois par semaine à la danse. Donc, eh bien, pour le moment, tant que je n'aurai pas de voiture, elle ne pourra pas aller au cours du mercredi. Mais elle va maintenir son cours du vendredi grâce à mon amie, en fait, qui m'emmène le dimanche matin. Elle m'a proposé, elle m'a dit, tu sais, moi, ça me dérange pas d'aller la chercher. Parce qu'en fait, le cours, c'est juste après le collège. Donc, elle ne prend pas le bus, elle va directement à la danse. Et en gros, il faut juste aller la chercher à la fin de son cours de danse, en fait. Et donc, cette amie m'a proposé d'y aller. Donc, je suis très touchée, encore une fois, par la démarche. Là, il faut juste que je trouve quelqu'un qui pourrait m'accompagner demain à Cholet pour le rendez-vous d'Adam, puisque en fait Adam demain il a rendez-vous avec la psychologue et la psychomotricienne. C'est son premier rendez-vous. Et du coup, eh bien, il faut que je m'organise parce que dans l'immédiat, je n'ai pas de moyens pour y aller. Donc, il faut que je trouve. Alors, ce matin, j'ai vu tous mes tous mes amis de l'église, hein, et plusieurs m'ont proposé leur aide, donc c'est très gentil, tout le monde m'a dit, mais si t'as besoin de quoi que ce soit, donc je pense que déjà je vais avoir de l'aide pour, mon garage, et en fait les frères de la paroisse se proposent de m'aider à entretenir mon jardin, alors pas la tonte de la pelouse, hein, j'ai bien précisé que la tonte de la pelouse, je suis capable de la faire moi-même. Mais pour le reste, effectivement, c'était un peu beaucoup d'entretien pour moi. Et donc, en fait, mes frères de la paroisse se sont proposés de m'aider. Donc, que demander de plus, hein. C'est précieux, en fait. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer. Pas forcément là tout de suite, hein. Je sais pas quel délai ça prendra, mais j'attends, il n'y a pas de problème, mais je suis très touchée en tout cas par cet élan de solidarité et d'entraide qui s'unit autour de moi.
Je suis vraiment très très touchée. J'avoue que je m'y attendais pas du tout. Hein. Quand l'évêque m'a dit qu'il voulait me voir, je savais que c'était pour me parler de mes problèmes, mais enfin mes problèmes. J'ai l'impression d'être un boulet, mais non, en fait, juste mes problèmes de voiture, parce qu'on a vraiment fait le tour sur ma situation. Et il m'a dit oui, en vérité, il y a vraiment que la voiture qui est un problème aujourd'hui. J'ai dit mais complètement. J'ai vraiment que la voiture qui me pose problème, parce qu'une fois que j'aurai une voiture, je pourrai retourner travailler. Enfin, je vais quand même faire mon parcours avec Pôle emploi, là, quand même. Mais dès que ça, ce sera fini, j'aurai, en fait, les bonnes pistes pour m'orienter vers le bon boulot. Et donc, du coup, je pourrai retourner travailler, avoir un revenu conséquent, enfin, etc. Donc, si tout ça, ça pouvait se faire sur Angers, ça m'arrangerait, parce que comme ça, je pourrais directement aller m'installer à Angers. Mais bon, pour le moment, rien n'est fait. Pour aller sur Angers, j'ai le train. En fait, en gros, je peux aller, vu que j'aurai une voiture, je peux aller en voiture jusqu'à la gare de Chemillé et de Chemillé prendre le train pour aller travailler à Angers. Parce que bah, c'est vraiment que 20 minutes, quoi. Du coup, là, je m'attaque au ménage parce que, bah, en fait, hier, j'ai dormi. Comme je le disais, il me semble bien avoir flogué sur ce sujet hier soir. Et bah ouais, en fait, j'ai dormi. Donc, bah aujourd'hui, je rattrape le temps perdu. Les enfants vont rentrer dans à peu près 2 heures. Et je voudrais que la maison soit propre, que les accueillir dans une maison propre. Et puis, faut que je mette des pommes de terre à chauffer aussi, parce que le menu de ce soir, c'est tartiflette. Parce que j'avais acheté de quoi faire une tartiflette que je n'ai pas faite et le fromage commence à empester mon frigo, mais c'est une horreur. Donc il faut absolument que je fasse aujourd'hui parce que sinon ça va être une catastrophe. Donc voilà, du coup, eh bien, je vais vous laisser pour l'instant. Je vous reprendrai probablement avec les enfants ce soir, bien que je m'attends à ce qu'ils soient extrêmement excités comme d'habitude quand ils rentrent de chez leur papa. Mais c'est pas grave, on vloguera quand même, on clôturera ensemble. Et je ferai l'effort de faire ce montage ce soir pour que vous ayez ce vlog demain matin. Je n'ai pas pris le temps de tourner une vidéo là dans le week-end, donc je pense que je la ferai demain avec... En plus, il faut que je vous parle d'un truc. C'est important parce que je repousse. Et c'est une collab et je dois pas normalement attendre si longtemps pour vous parler de mes collabs. Alors ne regardez pas le bazar autour de moi, ça fait partie de ce que je vais ranger dans 2 minutes. En fait, il y a quelques temps, j'ai vu passer sur Ivancy. Vous savez, Ivancy, c'est la plateforme d'influence sur laquelle je suis inscrite, où je vais de temps en temps voir les propositions de collaboration. Et il y a quelques semaines de ça, j'ai vu une collaboration avec La La Lab. Vous savez, comme je suis fan de La La Lab. Et du coup, pour l'occasion, en fait, c'était des tirages XL. Donc, les tirages XL sont quand même de grande taille. Je sais plus exactement la dimension. Je vais essayer de vous donner ça. Je crois que c'était 20 par 13, il me semble. C'est 20 par 27. Donc, c'est des formats quand même assez grands. Et moi, du coup, pour l'occasion, j'ai confectionné moi-même avec, je sais pas si vous connaissez la plateforme Canva sur Internet. Je suis allée dessus, j'ai fait des montages photos et je les ai, du coup, lancés en impression chez La La Lab. Alors, je ne vais vous montrer que 2 photos, je peux vous en montrer 3. Mais la dernière, je ne la montrerai pas parce que c'est ma famille que je ne souhaite pas forcément dévoiler. C'est le cadeau de Noël, en plus, pour ma maman. Donc, je ne vais pas vous la montrer, mais en tout cas, juste pour vous montrer par rapport à ma tête, la taille du tirage. C'est énorme. Elles sont très grandes, les photos. Et j'adore. Voilà. Là, c'est juste pour vous montrer par rapport à ma tête, hein, la taille de la photo. Donc, moi, j'ai fait des montages avec des photos des enfants. Voilà. Donc, là, il y a d'un côté les filles, de l'autre côté les garçons. Et j'en ai fait un autre où il y a une photo de moi avec chacun de mes enfants. Voilà. Donc, je vais acheter des cadres, évidemment, pour les installer sur le mur. Alors, j'avais fait développer celle-ci aussi, qui est une photo qui m'est très précieuse. C'est ma dernière grossesse, en fait. J'étais enceinte de Marceau. J'étais presque à terme. Et cette photo, voilà, je la garde précieusement parce que je l'adore et j'aime l'afficher dans ma chambre, qu'elle soit là juste pour moi. Elle est également affichée dans mon entrée, mais en beaucoup moins grand, puisque je me suis fait voilà un cadre avec tous mes enfants et voilà, pour trouver la même photo au milieu. Et donc là, cette promo, elle est encore valable 1 mois, donc j'ai un code promo à vous donner. Donc je vous le mets là, c'est MAM20.
et ça vous donne 20% sur la totalité de votre commande. Donc n'hésitez pas, en cette période de Noël, c'est vraiment l'idéal. Moi, j'ai fait développer une photo du coup pour ma maman que je vais offrir, et une pour Eric aussi, pour lesquelles donc je vais acheter des cadres, je vais les emballer et du coup les enfants offriront, enfin moi j'offrirai à ma maman, mais les enfants pourront l'offrir à leur père. C'est la dernière photo qu'il a pris, enfin que j'ai prise de lui avec les enfants. C'est une photo de la rentrée des classes, donc c'est pas un mystère non plus, mais c'est la plus récente, alors je me suis dit qu'il serait peut-être content de la voir. Voilà, donc je le rappelle, hein, n'hésitez pas, la Lab, c'est vraiment une application fiable, les délais de livraison sont hyper rapides en plus, donc moi je suis très très contente à chaque fois de collaborer avec eux, parce que je ne suis jamais jamais mécontente, je n'ai jamais été mécontente de ce que j'ai pu recevoir de chez eux. Donc vraiment, je vous encourage à commander. En tout cas, pour les cadeaux de Noël, je trouve que c'est un super bon plan. En plus, avec 20%, ça vaut le coup. Donc, n'hésitez pas. Voilà, bon, bah du coup, je vais reprendre mon petit ménage. Et puis, je vous reprendrai ce soir avec les enfants. Bon, les amis, je vous reprends. On est lundi, en fait. On est lundi, il est 8h quelque chose. À mon avis, pas beaucoup. Parce que on n'a pas pris beaucoup de temps. On était assez en avance ce matin. Ouais, il est 8h15. Donc on va partir dans 10 minutes, voire un quart d'heure. J'éteins toutes les lumières qui restent allumées. Et puis là, Marceau n'est toujours pas habillé. Donc je pense que je vais aller l'aider. Et du coup, je clôture aujourd'hui parce que hier soir, en fait, les enfants sont rentrés. Et dès qu'ils sont arrivés déjà, c'était la crise parce que j'avais fait une tartiflette hier soir pour le dîner et que ça ne plaisait pas à Monsieur Adam. Voilà. Donc, la soirée a été un peu agitée. Et là, ce matin, ça va beaucoup mieux. Première question du matin. Maman, on va à l'école en voiture ou à pied? Sachant qu'on n'a plus de voiture, voilà. Comment me flinguer ma journée dès le matin? Non, je plaisante. Ça met un coup quand même. Hein. Donc voilà. Du coup, je vais clôturer ce vlog maintenant. Et puis, je vais en ouvrir un autre parce que je vais revloguer cette semaine. Sur combien de jours, je ne sais pas, mais je vais revloguer. Et puis, voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Laissez un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Et puis, on se retrouve, j'ai envie de dire tout à l'heure parce que je vais l'ouvrir juste derrière. Et d'ailleurs, je vais faire en sorte de monter ce vlog dès que je reviens de l'école. Comme ça, je pourrai le mettre en ligne avant midi. Voilà, bon, je vous fais des grands bisous. Bonne journée.